passe au sud. Repos. Garde à vous. Rampez vos rassemblements clan pour 3 sur rang de base. Direction droit devant vous. Une fois droit en partant. En avant. Marche. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Une fois. Ils sont partis rendre la famille pour la famille militaire. Le cœur en sonne, ils sont déjà debout. La discipline, toi militaire, c'est ta première leçon. La hiérarchie a sa valeur aujourd'hui. Il faut rouler, il faut ramper. Tu roules, tu t'en vas. Exécute les hommes murmurés. S'entretiens bien, mon frère. Oh papa, je vais partir. Oh maman, je vais vous quitter. S'il m'arrivait de mourir au champ de bataille, pas de soucis, nous nous reverrons. Cette petite piste, en traversant la lande. Je suis le commandant Lansana Fofana, directeur du pétanque militaire de Guinée. Cette école a été créée tout d'abord par un décret du président de la République le 14 novembre 2022. L'objectif principal pour ces enfants, c'est de fournir tout d'abord, après cette école, un encadrement solide au profit de cette nation, que ce soit tant dans le milieu civil que dans le milieu militaire. Je peux vous dire déjà que c'est la continuité de l'éducation familiale qu'ils ont reçue à la maison, et avec un coup de pouce aussi de l'encadrement militaire qui permet de le renforcer, surtout dans leur cadre, leur morale. Enfant des troupes Jean Tamba Camara, matricule 009 BAP, unité PMG, classe 7e année A. Enfant des troupes Fatmata Diaray Ba, matricule 001 BAP, unité PMG, classe 7e année A. Selon moi, l'école, c'est bon, c'est satisfaisant. On suit très bien les cours, nous mangeons bien, nous dormons bien, nous sommes sécurisés aussi. J'ai vu de nouveaux cours dans l'aspect militaire, des instructions militaires. Le cours qui m'a plus marqué, c'est le défilé. Un défilé comme le jour de notre cérémonie. La cérémonie qui nous réunit ici porte sur la remise des attributs de la première promotion du prix d'année militaire de Guinée. Ce prix d'année militaire est une première en République de Guinée, l'une des œuvres de rectification des nombreuses anomalies que connaissait notre beau pays. Ces enfants, Excellence Monsieur le Président Paul Kagame, ont été dépossédés de leur ethnie, dépossédés de leur religion, dépossédés de leur région,
pour ne leur inculquer simplement que la Guinée, un bloc uni et indivisible. On prend d'abord la position de garde à vous et le commandeur commande. Et puis il dit direction droite devant vous, en avant, marche. Vous commencez d'abord à bouger avec le pied gauche en tendant la main droite. Le pied gauche et la main droite partent ensemble. Et le pied droit part avec la main gauche. C'est dans ce cours qu'on apprend à faire à gauche, comment rassembler une troupe, comment rendre une troupe à un chef. Je suis le capitaine Abdoulaye Tamsir Souma, je suis le directeur de l'instruction militaire ici au Prytanée militaire de Guinée. L'instruction militaire, d'abord il faut réussir à le situer dans le contexte de l'école que vous savez, on a deux missions, et une mission purement militaire, une mission aussi qui va dans le cadre civil, il y a les deux enseignements. Donc l'instruction militaire vise à donner à ces jeunes enfants civils que nous recevons toutes les aptitudes nécessaires pour les préparer à une carrière militaire pour ceux qui le désirent à la suite. Repos, garde-vous, direction droite devant vous, deux fois gauche en porte. Moi je suis le capitaine Mohamed Kondé, le directeur adjoint du Prytanée militaire de Guinée. Déjà vous savez les activités de l'école, c'est du matin jusqu'au soir, donc nous avons un encadrement qui suit les enfants à tout moment, dans toutes les activités. Donc l'encadrement a pour mission, non seulement pour les éduquer, les former, mais également suivre chacun individuellement afin de comprendre si toutefois l'éducation, la formation qu'on leur donne, si c'est assimilé et s'ils progressent dans le sens que nous voulons. Promotion, halte pour les salles de cours, dans l'ordre des colonnes, base 2, 3. Déboîtez. Garde-vous! Enfant de troupe Bafat Matadjara, élève au Prytanée militaire de Guinée, la promotion rassemblée, effectif théorique 24, effectif pratique 24, à vous autres sergents! Sans mon commandement, repos, garde-vous! Sangadou. Repos. Assis. Ancien, tu m'as dit à combien dans la salle? 24. Ok. Bonjour dans l'ensemble. Bonjour, c'est Monsieur. J'espère que ça va. Oui. Vous êtes venu en forme. Ok, tout à l'heure, on va passer à la révision en RSA. Ça sera sur la base de la discipline. J'espère que vous avez révisé, vous avez vu le cours. C'est le premier cours
de la base de la RSA. La RSA qui signifie règlement des services dans l'armée. La base de la discipline. La discipline. Avant de commencer le cours, j'essaie de vous demander d'abord, c'est quoi la discipline? Quand vous attendez la discipline, c'est quoi la discipline? La discipline, c'est quoi? Oui, ancien. C'est quoi la discipline? C'est pas militairement comme à l'école ou bien dans la rue. C'est quoi la discipline? On dit telle personne est disciplinée. C'est-à-dire, il est comment? D'être correct. D'être correct. Oui. Respecter les gens. Le respect. Oui, c'est bon, merci. Et toi? Être sage, la sagesse. Quoi encore? Oui. Avoir un bon comportement. Un bon comportement. Être honnête. Et, oui. La conformité, c'est bien. Et l'obéissance aussi. Vous avez parlé, le respect, être correct, la sagesse et l'obéissance aussi. Donc, je vais vous demander, qui peut me donner le premier paragraphe de la base de la discipline? Oui, derrière là-bas. Être discipliné, c'est être correct, être honnête, avoir le respect et l'obéissance. Moi, la différence que je trouve, ici, on fait les cours d'instruction militaire, mais là-bas, on ne le fait pas. Je trouve que les cours sont mieux expliqués que là-bas encore. Je faisais Moldi avant de venir ici. Mais sauf que ma mère criait d'abord. Mais maintenant, quand je me lève, je fais Moldi directement. Fofana, ton lit n'est pas fait. Corvée de chambre. Joseph, ton oreille n'est pas faite. Corvée de douche. Armiao. Ton lit n'est pas fait. Corvée de douche d'en bas. Enfant de troupe Alpha Madiallo, matricule 07 BAP, unité PMG, classe 7e année A. Un chef de chambre, c'est celui qui assume la propriété de la chambre en donnant des ordres à ses éléments. Je m'énerve deux fois. Des fois gentil, des fois un peu méchant. Tu les punis? En faisant des corvées, il y a corvée chambre, corvée douche, corvée escalier. Enfant de troupe Fatmata Kondé, matricule 011. Élève au britannique militaire de Guinée. L'école m'a semblé un peu bizarre, mais au fur et à mesure, je m'y suis adaptée. Le jour que je suis venue, moi avec le chauffeur, on est venu jusqu'à la guérite là-bas. On a regardé s'il y a mon nom dans la liste. Il y avait mon nom. Après, j'ai signé, je suis rentrée. J'ai étudié, on a fait le texte. Nous avons été choisis parmi les 5 premiers des différentes préfectures et des différentes communes. Nous nous sommes réunis dans un camp. Puis nous avons fait le test et on nous a tous choisis maintenant et nous voici ici. Je pensais que c'était pour nous former et être des militaires. Mais j'ai compris que ce n'était pas seulement cela. Nous devions aussi étudier, même si nous recevons aussi des cours militaires. Je me suis dit c'est bon, parce que c'était joli. Maintenant, ça me va bien. Le cours qui me plaît le plus ici, c'est
les mathématiques. Parce que plus tard, j'aimerais devenir ingénieur, génie civil. Être militaire. Être pilote. L'école du soldat. L'école du soldat enseigne les mouvements individuels avec ou sans armes, qui donne à l'homme l'attitude martiale et l'allure dégagée, et lui permet de tenir sa place dans une troupe en ordre serré. Chez l'OS, c'est une matière de l'instruction militaire. Dans les autres écoles, les cours entre ici et là-bas, c'est plus différent. Parce qu'ici, je trouve que c'est beaucoup mieux. Les explications sont mieux approfondies. Ici, c'est ici maintenant comme si c'était ma maison. Il y a mes amis ici. Quand je viens ici, je suis super content. Je me sens libre avec mes amis. Des fois, on joue au ballon, au basket, cache-cache. On joue tout ça. Il s'agit de construire une école qui fait le collège et le lycée, qui va regrouper les meilleurs enfants intelligents du pays, comme dans tous les pays. Ça se trouve dans tous les pays, occidentaux comme africains, où on regroupe les enfants brillants. Et pas obligatoirement pour être militaire, mais c'est un vivier de l'État où on forme ensemble les enfants venus de tous les horizons. Ce qu'ils ont en commun, c'est premièrement la nationalité, deuxièmement leur don naturel. Alors ces cadres, qui seront, ces jeunes qui seront formés au collège, au lycée, pendant 7 ans, ils vivent ensemble à l'internat. On les éduque à la vie en commun. On les inculque le sens de la patrie, le civisme et la rigueur. C'est qu'eux, pendant 7 ans, de l'âge de 12 ans
à 19 ans, jusqu'à finir l'université, ils ne connaissent que la Guinée, ils ne connaissent que la patrie, ils ne connaissent que la rigueur, ils ne connaissent que le sens civique, le respect du denier public, le vivre en commun. Ils ne connaissent pas d'ethnie, ils ne connaissent pas de région. Ils ont la Guinée dans leur tête, sur leur épaule. Alors on va trouver, si on aboutit, si le projet réussit, on va trouver comme dans les pays limitrophes. Le directeur du Trésor, le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de la marine, le ministre de l'économie et des finances, le directeur d'un lycée, on va trouver qu'ils ont tous fait 7 ans de prytanée ensemble. Voilà l'homme de type nouveau que le chef de l'État rêve. Madame Jean, commandant, repos. 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 Dans la salle, c'est bon. Repos. 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 À la disposition des chefs de classe pour l'application des tableaux de travail. A remarquer la progression de ces enfants, je me rappelle quand ces enfants sont venus pour la première fois dans cette école. Ils venaient d'horizons différents, de zones différentes, venus avec plusieurs caprices, je peux dire. Chacun est venu avec son truc à lui, l'éducation à lui, sa façon de vivre à lui. Donc le travail pour nous a été de les mettre ensemble, de donner une éducation commune, une formation commune que nous avons, nous-mêmes personnellement. Et aujourd'hui, à regarder les enfants, rien que la façon dont ils s'habillent en tenue militaire, la façon dont ils défilent, la façon dont ils maîtrisent déjà les bases que nous les avons inculquées, et à regarder le niveau de respect qu'ils accordent aux uns et aux autres, et la cordialité qui se trouve entre eux, la complicité qui s'est installée entre les uns et les autres, sans parti pris, je pense que c'est quelque chose dont on peut être fier. Dès la rentrée, nous avons ici le poste de garde du prytanée militaire de Guinée et notre parc automobile. Il est doté d'une ambulance pour les évacuations éventuelles qu'on ne peut pas soigner sur place, des véhicules de liaison et des véhicules de commandement. Et nous rentrons même au cœur du prytanée militaire de Guinée avec les différents bâtiments, les blocs qu'on a. À ma gauche, vous avez les salles de cours, en face, le poste de commandement et à ma droite, le dortoir. C'est le moment pour moi de profiter de votre visite au sein du prytanée militaire de Guinée, de remercier son Excellence, le collègue Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, président de la République de Guinée, pour ce bijou qu'il nous a offert et cette opportunité qu'il a donnée à la nouvelle génération. Quand vous regardez la structure du commandement, nous faisons quasiment la quintessence de toutes les écoles de formation prytanée de la sous-région. Donc le directeur qui est issu de Bengerville, moi j'ai été formé au prytanée militaire de Kati, et le directeur du soutien a été formé au prytanée militaire du Niger, le directeur de l'instruction militaire au prytanée militaire de Kadjogo, et ainsi de suite. Donc nous retrouvons un peu toute cette couche dans ce prytanée. Bien. Je suis satisfaite parce que je sais qu'il est venu pour vérifier si on est dans les conditions possibles pour qu'on puisse étudier et pouvoir défendre la patrie. C'est quoi le problème ici? T'as eu le problème? Mangez bien. Très bien. Et très bien ou bien? C'est vrai, vous mangez très bien. Très très bien. C'est ce qu'on vous a dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis très heureux de rencontrer le président de la République parce que c'est marrant. Depuis qu'on est venu dans cette école, c'est la deuxième fois qu'il vient maintenant ici. Depuis l'inauguration. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour nous. On suit bien les cours, on mange bien. Je le remercie pour ça. Le président, ce que je pense de lui, c'est une bonne idée d'avoir créé cette école en Guinée, parce qu'avant, quand il n'y avait pas cette école,
les Guinéens partaient à l'étranger, c'était un peu honteux. Et la Guinée, s'il n'y avait pas cette école, ça allait être honteux pour nous. Oui. Parce que quand les Guinéens vont là-bas, ils vont dire qu'ils sont à l'étranger, que pourquoi pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer notre école en Guinée pour qu'on puisse étudier nous aussi ici. Moi, je pense que ce que le président fait, c'est bon. Il a créé le Britannique et il aide la Guinée à avancer. Je lui demande de continuer sur ce chemin. Merci, monsieur le président. Merci pour tout ce que vous avez fait. Je vous remercie beaucoup.